Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode 53, 53 de Final Fantasy 9. Et on est reparti, on va aller, aller plus loin que là où on a été la dernière fois. Vu que je vous ai fait la dernière fois, on s'est arrêté ici après avoir vu la scène avec Quina et tout. On a sauvegardé la sauvegarde d'avant et parce que je voulais vous montrer bien sûr Pluton qui était caché derrière ce corail là, qui est complètement caché. Et là on va pouvoir continuer, vous montrer ce qu'il y a d'autre. Hera aurait été recouverte d'eau. Comment tu le sais? J'en sais rien. Mais c'est dans les souvenirs que j'ai de cette planète. Mais c'était bien avant ma naissance. Je suis né sur Terra et je me souviens d'une planète inconnue. Moi aussi, je sais qu'avant il y avait plein d'eau sur Hera. Il me semble savoir aussi. Est-ce pareil pour vous? Ça voudrait dire qu'à l'origine nous provenions de la même source. Je comprends plus rien. Donc, apparemment on serait de la même source. Ouais. C'est étrange. Là, normalement, si je me souviens bien. Eh oui, un nouveau boss. Donc là, le boss bien sûr de l'eau. Le Kraken dans Final Fantasy 1. Sauf que là, c'est un autre monstre. Bon, on l'avait pas vu d'ailleurs celui-là dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire de l'eau, on n'avait pas vu le monstre du sanctuaire de l'eau. Bah en fait le voilà, enfin, il est tout moche. Plein de tentacules. Et on va lui défoncer sa gueule. Je vais m'attaquer au central. Hein. On va faire un petit Mortimer, tiens. D'équerre. Et ce monstre possède une magie unique d'ailleurs. Une magie que nous ne pouvons pas avoir. Est totalement unique, je crois, ce boss. Enfin, je sais pas si d'autres boss peuvent l'utiliser, mais je sais qu'en tout cas que c'est une magie qu'on peut pas avoir, à moins peut-être de si on cheat, je sais pas si c'est possible. Je vais vous faire coup tordu, je crois que jamais montré. On va pouvoir en profiter là des trans de Jidan. Bon, encore une fois, boss pas très compliqué, surtout avec notre niveau, ça va pas être très dur. Aquaball. Bon, on n'a rien à craindre, hein, je pense. Hein. Bon, quoique si, quand même. Donc, Mortimer que Beat nous avait lancé dessus. Hein. Ça fait du bien. Ah, voilà, c'est ça. H2O X. Et ça, on peut pas l'avoir. Hein. Avec Bibi, on peut pas l'avoir. Impossible. Ah oui, il se lance H2O parce que bien sûr il absorbe l'eau. Donc il en profite. Là il l'utilise aussi sur nous. Je crois normalement. Hein. Ouais. Et cette magie elle est unique à lui, à ce boss là. En tout cas, peut-être un autre boss peut l'avoir, mais c'est une magie enfin, qu'on peut pas avoir nous. Mais c'est bien dommage. Mais bon. Un petit soin, même si c'est pas très utile vu le temps que ça va faire pour les attaques. Aquaball. Bon, sur Frey, elle a beaucoup de PV, donc ça devrait pas être trop, voilà, trop grave. Je vais attaquer avec Judan bien sûr maintenant pour vous montrer ses limites, parce qu'il le faut. Hein. Celui-là, je crois que je l'ai pas montré. Tordu. Je crois que je vous ai montré intrigue, peut-être solution 9. Ces tentacules sont morts. Faut au moins une. Cinquième cercle, je crois que je l'ai pas montré. Ah si, l'autre elle est morte. Je vais montrer cinquième cercle, parce que je crois que je l'ai pas montré. Un petit soin plus qui sert à rien. Mais je préfère le faire que de ne rien faire. Hein. Mais bon, avec Auto et Cup, ça nous redonne pas mal de points. H2OX. Il va se régénérer, je suppose. Ah non, il nous fout dans la gueule. Mais ça va. Auto et Cup nous régénère. On le fait easy, ce boss.
Allez, voilà, c'est bon, Jidan attaque. Cinquième cercle. Bon, c'est vrai que c'est dommage que la transe de Jidan n'est pas classe, elle ressemble à celle de Kuja, mais moi je préfère le rouge que le rose. Et c'est dommage qu'il soit pas en rouge Jidan, ça aurait été tellement plus classe. Mais bon, c'est pour ça que Kuja, sa transe, elle est classe. Hein. Tabloïd, je crois que je l'ai montré. Cinquième cercle tordu, solution 9. Solution 9, je crois que je l'ai montré, bon, on va faire intrigue. Je sais plus trop ce que je vous ai montré ou pas, mais bon. Ce n'est pas grave. Hein. Alors, on va commencer à attaquer avec les autres. Ça me pensait que j'ai pas arraché de potions. Bon, c'est pas grave. Hein. J'en ai pas besoin. J'ai une bonne soigneuse et des auto-recup. Méga break, 5ème cercle, je sais plus. Je vais essayer tabloïd, je sais pas si je l'ai montré, je sais plus ce que j'ai montré ou pas au cours du walkthrough de Final Fantasy 9. Je crois pas que j'en aurai l'occasion. Je pense qu'il va mourir avant avec, avec soit un choc ou guivre. Ouais, le guivre l'a eu. Bon, en plus on a pas mal de fric hein, maintenant le fric c'est plus un problème, c'est vrai qu'à une époque c'était un voilà c'est un problème, notamment quand j'avais fait les enchères la première fois. Mais là ça va. Ouais, je regarde. Il n'y a rien d'autre à apprendre. Ah il y a ça. J'ai armure et là Maximilien. Ok, attends. Oh. Allez, on peut pas. Ah. On peut pas mettre Maximilien. Moi, je vais mettre Maximilien à Steiner. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas parlé, mais l'augmentation de stats se fait grâce aux armures et ce fait que plus vous êtes avancé dans le jeu, bah plus plusieurs des armures vont donner des bonus intéressants et certaines armures qui donnent des bonus intéressants et donc ce qui fait qu'il y en a qui restent niveau 1 pour pouvoir bénéficier de tous les bonus dès qu'ils ont la possibilité d'avoir ces armures. Moi je ne sais pas trop les propriétés et tout, je suis pas très de côté technique, mais c'est vrai qu'il y a ce truc là. Heureux donc ouais, j'ai été dérangé, donc ici oui, comme vous avez pu le remarquer, j'en ai pas parlé, mais il y a le point de sauvegarde invisible encore une fois. Et je parlais des armures et tout, c'est vrai qu'il y a certaines armures qui ont des propriétés, des bonus sur les statistiques des personnages, l'attaque et tout. Et Hatchan Cannibal, ça dépend de l'armure, mais c'est vrai que je m'y connais pas, donc c'est vrai que je ne vais pas faire mes stratégies, je ne vais pas tout développer sur ça. Mais c'est vrai que c'est, il y a une partie technique et tout qu'on voit pas forcément, qu'on ne sait pas forcément. Et c'est sûr qu'au niveau technique, je suis pas à fond, je suis pas un ouf, il y en a, ils ont vraiment des trucs de ouf. Mais c'est vrai que pour avoir les meilleurs stats, faut les meilleures armures et tout, Donc là, ouais, je crois que c'est le dernier maître du jeu. Dernier grand maître fantôme de la mort qui tue. Et là, ça devient intéressant. Hein. C'est quoi cette boule de feu? On dirait une lune, mais ce n'est pas ça. C'est Hera à sa naissance.
Hera, ah, sa naissance. C'était la première fois qu'une planète voyait le jour dans cet immense univers. Et avant, vois par toi-même. À cette époque, Terra est tout au sommet de sa gloire. Elle s'est surestimée en pensant pouvoir contrôler la longévité d'une planète. Mais son orgueil provoque un drame après lequel je vais en rendre. Ah oui, si je me rappelle, là il y a un truc. Makila. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est tout simplement l'ultime arme de Bibi qui lui permet d'apprendre l'attaque que Gaia nous a lancée dessus une fois qu'on a absorbé. Je parle bien sûr d'Apocalypse. Autant faut dire qu'il faut être préparé, avoir une défense contre les ténèbres parce que sinon. Ah non, il y a encore un maître du jeu ici. Autant être faut être préparé contre les ténèbres parce que sinon vous prenez des dégâts sur vous-même, donc il faut se protéger des ténèbres hein, pour la lancer. Par contre avec Steiner, il me semble-t-il que ça ne fait pas de dégâts sur nos personnages mais que sur l'ennemi. Ouais, que Steiner peut utiliser Apocalypse grâce à la Magic Lab. Et encore un nouveau boss. Le dernier gardien, hein, celui qu'on a affronté précédemment, hein, celui qui correspond à la liche dans Final Fantasy 1, le monstre de la Terre. Vous êtes devant le chaos terrestre, Chaosium. Préparez-vous à mourir. T'inquiète pas. Et je veux juste savoir un truc. Pour tenter. Je veux juste savoir si ça marche. Sait-on jamais. C'est un peu d'attriche, c'est vrai, mais bon. Le boss, je le tue facilement aussi. Alors, il tient un remède. Alors, voyons voir. Je suis intrigué. Montre-moi s'il se passe quelque chose. Bon, heureusement. J'ai envie de dire heureusement qu'il se passe rien, sinon ça aurait été dommage. Parce que je me suis dit, tiens, c'est un mort. Peut-être que ça va se prendre des dommages. Bon, je vais éviter de le soigner pour... Parce que dans ces jeux-là, il pourrait peut-être se soigner, hein, et non perdre la vie. Vie plus serment utile, hein, ça... Ah oui, mais non, c'est vrai que j'ai pas KO, je l'oublie. Ça, c'est chiant. J'oublie ce que j'ai associé, j'ai oublié que j'ai associé invincible. J'ai la compétence invincible, j'y pense jamais. J'y pense vraiment, mais vraiment jamais. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain épisode sera le final. Ce ne sera pas 55 épisodes, mais 54. Et là, j'en suis sûr, vu où on est de la fin. C'est proche. On approche vraiment de la fin. Elle est là. Elle approche. Doucement, lentement et sûrement. Ah, la faucheuse. Faucheuse, pardon, pas faucheuse. Faucheuse. Je le vole pas parce que, voilà. Les boss, je les vole plus à la fin. Parce que, voilà, j'ai ce qu'il me faut, j'ai un cul Gaïa. J'ai des trucs intéressants. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, on n'arrête pas de me déranger. Jidan est mort à cause du châtiment, là. Enfin, de la faucheuse. Et cette fois, je n'ai pas KO. Et je crois bien qu'il n'a pas gagné de points d'expérience, Jidan. Encore le châtiment. Ça a marché, mais bon. Ouais. Je vais quand même ressusciter Jidan avec un René parce que là j'aurais pas le temps de lancer vie plus. Et il est mort. Bon, rien de bien exceptionnel, juste qu'il fait des Hadès, des châtiments.
D'ailleurs, cet endroit est tout à fait spécial. Je vais vous dire pourquoi. Surtout pour un challenge. Donc ici, enfin je sais plus. Quelque part sur un de ces piliers et tout. Si on arrive en moins de 12 heures, bah il y a un message et tout et on obtient Excalibur 2. Mais faut être là en moins de 12 heures. Vers la fin, là on est vers la fin du donjon. Donc faut être là en moins de 12 heures. Donc c'est vraiment un gros challenge que d'y arriver. Moi je sais que j'y arriverai jamais parce que je prends tout le temps mon temps. Je suis pas là à me speeder. Enfin ça m'énerverait, j'aime pas être speed, j'aime bien prendre mon temps, donc moi je peux pas. Donc moi je dis bravo à ceux qui arrivent parce que moi je pourrais jamais faire ce challenge avec Excalibur 2. Je ne pourrais pas. C'est le début? Non, c'est l'univers. L'univers? Il existait déjà avant la naissance de Hera. N'aie pas peur. Si tu avances, tu approcheras de la vérité. Avance. Facile à dire. Voilà, bon, on ne tombe pas et en fait c'est l'univers. Et en gros, faut arriver vers la lumière bleue. Enfin, verte, plutôt. Et bien sûr, on peut se faire agresser. Par ce monstre-là, là, on est carrément vraiment dans l'espace, là. Main rouge. Tant que c'est pas les mains de Zelda, ça va. Parce que les mains de Zelda, c'est une horreur. Je crois qu'on est proche. À présent, votre chère planète et l'univers qui vous ont vu naître ne sont plus. À présent, laissez vos souvenirs vous mener aux origines. Garland, qu'est-ce que tu appelles le souvenir? Pourquoi j'ai des souvenirs d'avant ma naissance? Pourquoi j'ai des souvenirs d'autres personnes? Garland, réponds-moi! Beaucoup pensent qu'on ne peut avoir que des souvenirs de sa vie physique. Mais ce n'est qu'une idée. Pour naître, il faut avoir eu des parents désireux de donner la vie. Mais on ne peut donner la vie sans l'avoir reçue. Toutes les existences s'enchaînent. Si l'on remonte cette chaîne, on s'aperçoit que tout ne fait qu'un. Il en est de même pour les souvenirs. Toute vie comporte les éléments qui l'ont créé. Les souvenirs sont l'un de ces éléments. Les souvenirs n'appartiennent à personne. Ils progressent en s'associant les uns aux autres. Les souvenirs d'un instant concernent tout et tout le monde. On peut dire que les souvenirs évoluent comme les êtres vivants. Donc ça nous apporte un peu la réponse que je me posais lors du dernier épisode, c'est un peu voilà, une chaîne de souvenirs. Tout est lié quoi en gros. Mais presque aucune existence ne peut saisir la nature des souvenirs. Ceux qui ne peuvent pas voir, ceux qui ne peuvent voir les souvenirs des autres, sont ceux qui n'en comprennent pas la nature. Et si on remonte la chaîne, on arrive où? À celui qui commande à toute vie, et à tout souvenir. Le cristal, bien sûr cristal qui est un... J'ai envie de dire... La base de Final Fantasy, j'ai envie de dire. C'est vraiment la base. Enfin, c'est dans Final Fantasy 1, on devait restaurer le pouvoir des cristaux et tout. Chaque personnage avait son cristaux et tout. Et on réactivait le cristaux, ce qui fait que ça donnait la vie et tout. Et dans plusieurs FF, il y a les cristaux et tout. Donc c'est vraiment, je dirais, la base. Le cristal. À présent, continuez seul. Et abattez Kucha. Cette dernière prière a un goût amer pour moi. Jidan, je te confie le cristal. Adieu. Garland, où t'es? Garland! On m'a créé pour accomplir une mission précise, mais je remercie mon créateur de m'avoir donné la vie dans ce monde. Et voilà, et là on est dans la dernière partie de Memoria. C'est ça le cristal dont parlait Garland? On va devoir trouver la vérité tout seul. D'ailleurs,
ça me fait penser bah, dans plusieurs FF, à la fin ça se finit, c'est pas un spoil, c'est juste c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, là on retrouve les boss en mode cristal, c'est que souvent en fait la fin, pas dans tous les FF, hein, pas dans tous, mais dans certains, plusieurs fois, la fin c'est en cristal. Il y a le sol en cristal, c'est cristallisé et tout. Bien sûr, c'est pas dans beaucoup de FF, mais c'est dans plusieurs FF, il y a des endroits comme ça, à la fin c'est en cristal et c'est la classe quoi, j'ai envie de dire, un palais de cristal par exemple, c'est quand même complètement la classe. On approche de la fin, on approche. Autant vous dire que l'épisode final sera très long, parce qu'il y a plein de trucs, plein de blabla, plein de machins, donc il sera très très long. Encore la Chaosium version version cristal, on retrouve les boss en version cristal. Ah check, alors, je crois que ça on peut l'avoir, si on peut bouffer ce monstre pour avoir cette attaque avec Quina. Ça va plus vite maintenant que j'ai plus auto-potion, ça accélère un peu les combats, s'il n'y a pas l'animation qui se fait. Maintenant c'est avec auto-recup et ça va plus vite. C'est plus cool. Je vais être gentil, comme c'est le 31, je vous sortirai tout ce jour-là, je vais essayer de me dépêcher pour l'épisode final. Mais normalement vous devrez l'avoir soit le 31, soit le premier, mais ça sera un des deux, soit le premier soit le 31. Je parierai plus sur le premier. Et voilà, on va utiliser des tentes. On va se regarder ici. Et je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Le prochain. Le grand final de Final Fantasy IX. C'est la fin. Il y a juste à passer ça et on arrive à la fin du jeu. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et je vous retrouve pour le final de Final Fantasy IX. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. Et à la prochaine !